Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième match du Poké Tournoi, deuxième match du groupe B opposant Gab à Gamma. On est donc parti pour ce deuxième match avec deux adversaires que... Bien un que vous connaissez et l'autre que vous ne connaissez pas. On est donc parti pour ce match qui va être très difficile de mon avis quand même. Il va être très difficile de connaître le vainqueur avant de jouer le match. En tout cas, donc deux équipes qui sont totalement différentes à mon sens, puisque on va commencer donc avec la composition de l'équipe de Gab que vous connaissez à peu près déjà avec la vidéo de présentation et parce que on l'a déjà vu au cours de l'aventure. Mais je vais vous faire une rapide présentation quand même avec Florizarr, Nidoking, Roux Carnage, Arcanin, Aqually et Alakazam, une équipe avec des types assez diversifiés. On a seulement un seul double type qui est le type poison, qui est un type qui est pas très courant et en plus un peu chiant, on va se l'avouer quand même. Pas de choses folichonnes hein, tout de même dans cette équipe, peut-être le starter Herbizarr qui est assez étonnant comme choix, type plante poison. Nidoking qui est pas très étonnant non plus, on va se l'avouer hein. Un bon Pokémon, peut-être un Roux Carnage un peu étonnant mais assez classique comme Pokémon sur cette première génération, donc je pense que jusqu'ici personne ne sera étonné, à la limite le Aqually qui peut légèrement gêner mais qui peut aussi révéler beaucoup de surprises. En tout cas on attend avec hâte ce premier match de Gab qui part quand même en outsider sur ce match parce que l'équipe de Gamma hein, qui est quasiment la même que celle de Ryan que vous avez vu au premier match est tout aussi favorite. On a vu l'équipe de Ryan qui fait des ravages, alors que va faire Gamma avec quasiment la même équipe? On va le savoir tout de suite, on va regarder sa composition à Gamma, l'équipe composée des trois starters hein, on l'a vu, Dracaufeu, Tortank et Florizarr. Les trois qui vont être d'excellents Pokémon à jouer. On l'a vu également, un Raichu, un Noctalie. La petite Spellbeast se trouve toujours dans le Roux Carnage, qui n'est pas un excellent Pokémon, qui se joue évidemment, mais qui n'est pas non plus bête. On verra. Hein, on verra tout simplement comment on va pouvoir s'en tirer Gamma. Est-ce qu'il va confirmer son statut de favori dans ce match? On le saura dans quelques minutes pour le début du match. En tout cas, ça va être un match extrêmement serré, extrêmement tendu, extrêmement disputé également à mon avis, puisque les deux équipes, loin d'être similaires hein, seulement deux Pokémon en commun que sont Florizarr et Roux Carnage, pour le reste ce sont deux équipes totalement différentes. On va voir comment Gab peut s'en tirer. Est-ce que Gamma va confirmer son statut de favori? On commence le match tout de suite, on va le savoir tout de suite. C'est parti pour le match les amis. Et on commence directement avec Tortank face à Arcanin, le Tortank qui vient de Sacha de Gamma, hein, comme vous voulez, Sacha Gamma, en tout cas il a deux pseudos. On va plus utiliser Gamma face à Arcanin. Ça commence pas très très bien pour Gab. On est du point de vue, hein, je le rappelle, de Gamma. Tortank face à Arcanin pour le début de ce combat. Donc avantage pour le coup à Gamma. Gamma qui fait surf sur le Florizarr qui a été changé par Gab. Hein, Florizarr au dépens d'Arcanin. Rien n'est fait. Il a fait surf sur un Florizarr, ça n'a pas changé grand chose. Tortank qui est plus rapide, qui utilise Blizzard, attention! Et le Florizarr qui est gelé en plus de ça. Le Tortank qui prend donc un avantage considérable sur son adversaire. Florizarr étant gelé, il va être très dur à échanger contre un autre Pokémon. Pas de Pokémon électrique en plus, il me semble, dans la team de Gab. Ça va être extrêmement dur comme début de combat pour Gab qui perd déjà son Florizarr. C'est très difficile. C'est très difficile d'entrer pour Gab. Tortank est full vie avec très peu d'attaques utilisées, deux attaques laser glace qui ne devraient pas servir à beaucoup d'autres Pokémon. Pour l'instant, Gamma qui prend un avantage très sérieux sur ce début de set. Premier set très difficile pour Gab qui fait l'erreur d'envoyer le Roux Carnage. Roux Carnage face à Tortank
qui a une attaque Blizzard et une attaque Laser Glace. Et c'est assez difficile à comprendre comme choix quand même, hein, qu'il y ait deux attaques glace. Mais pourquoi pas après tout le Blizzard qui rate. C'est pas très précis Blizzard quand même, beaucoup moins que Laser Glace. On va essayer de voir un peu ce qu'a Gab en tête avec un roux carnage. Le roux carnage qui réussit une fois de plus à s'envoler, le Blizzard qui évidemment rate puisque roux carnage n'est plus sur le terrain. Donc carnage qui utilise vol, Blizzard qui rate encore, il fallait tenter cette fois-ci le laser glace pour infliger des dégâts. Un tiers de la vie pour Thornton, un tiers de sa vie. Ça commence à être assez difficile, le laser glace enfin qui rate cette fois-ci puisque roux carnage est encore en vol. Il faut changer de Pokémon Gamma, garder ton avantage. Ah, Thornton qui n'est pas KO. Et Thornton qui utilise Laser Glace du coup. Thornton qui utilise Laser Glace sur le roux carnage qui est gelé. Deux fois que Gamma gèle un Pokémon, ça commence à être difficile hein, quand même pour Gamma. Au niveau de la chance, là pour l'instant, ça ne le fait pas trop. Laser Glace deux fois pour Thornton qui met forcément KO roux carnage. Super efficace, c'est terminé pour roux carnage. 2-0 pour Gamma. Très difficile comme début de match, très difficile. Arcanin face à Thornton, encore une fois on ne sait pas ce qu'a Gab dans la tête. Trois fois qu'il envoie un type faible, 6 vitesse extrême, c'est bon, très bonne stratégie de la part de Gab, très bonne stratégie, très bien joué. Gab face à Gamma, pour l'instant ça donne 2 à 1 avec que des Pokémon full pour le reste quand même. Hein. Donc avantage clair à Gamma. Pour l'instant, Noctaline, qui est un Pokémon très utilisé quand même dans ce tournoi, qui est envoyé par Gamma. J'ai été étonné hein, d'ailleurs de voir autant de Noctaline dans les équipes, mais finalement, au vu des résultats qu'ils produisent, eh bien on n'en est pas tant étonné. Du coup, Noctaline qui a utilisé le poison, alors qu'Arcanin a brûlé Noctaline. Attention tout de même à ce que fait Gamma, parce que là, pour l'instant, le plus en difficulté, eh bien ce n'est pas grave. Et attention, Arcanin qui souffre du poison car avait raté son attaque. Que peut faire Gamma? La déflagration, ça ne suffit pas malheureusement, ça ne suffit pas. Et Arcanin qui se retrouve à perdre beaucoup de PV en étant gravement empoisonné. Il faut faire très attention maintenant. Allez Gab, il faut terminer Noctaline maintenant pour revenir à peu près à égalité. La vitesse extrême qui termine Noctaline, c'est bon, deux partout, mais Arcanin qui est au bord du chaos à cause du poison, un poison très puissant, le toxique, qui est une stratégie très utilisée en début de tournoi. Et le carnage face à Arcanin. À quoi peut bien avoir pensé Gab? Faire le maximum de dégâts, d'accord, puisqu'Arcanin est condamné de toute façon derrière. 3-2 pour l'instant en faveur de Gamma. Gros avantage pour l'instant. Puisque Gab a perdu des Pokémon assez puissants hein, de son équipe. Qui peut-il bien envoyer par la suite? Qui peut-il envoyer peut-être à Aqualie pour ses attaques glace face au roux carnage? Pour l'instant, Gab qui hésite largement sur la conduite à suivre. Allez, il faut se décider, Gab. Ne pas perdre la première manche, ne pas faire de bêtises maintenant, tu as un désavantage, alors vas-y. Pour Gamma, il faut confirmer Nidoking. Face au roux carnage, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, hein. Un type sol face à un type vol. Nidoking qui utilise Mania, c'est bon, de retour à 3 partout pour Gab, c'est assez tendu comme premier set. C'est même extrêmement tendu comme premier set. Pour l'instant, Gab qui a l'avantage largement face aux deux autres. Je sais pas pourquoi je dis face aux deux autres. Allez, et oui, du coup, c'est pris par Dracaufeu qui prend de vitesse le Nidoking. C'était risqué comme choix. C'était très risqué. Et du coup, Aqualie face à Dracaufeu, avantage clair sur ce duel. Pour Gab, mais que peut faire du coup Gamma qui rappelle Dracaufeu et qui envoie Florizarre. Attention parce qu'on le sait, Aqualie qui a des attaques glace. Aqualie qui peut apprendre des attaques glace et qui en a sûrement. Sûrement un laser glace ou un Blizzard, il faut faire très attention. Puisqu'Aqualie est plus rapide. Et pourquoi Hydrocanon? Mais pourquoi Hydrocanon? Pourquoi Hydrocanon? Ça peut tout changer. Aqualie qui va prendre énormément avec cette attaque plante. Aïe aïe aïe. Très mauvais choix de la part de Gab. Le laser glace, mais il arrive trop tard le laser glace.
Il arrive trop tard. Là, ça va faire... Ah, c'est bon, ça passe. C'est bon, ça passe. De justesse, à mon avis, mais ça passe. Aquali qui a mis de life, tout de même. Et il reste un Raichu. Aïe, aïe, aïe. C'est très mal parti, là, quand même. Enfin, c'est très mal engagé, quand même, pour Gab. Ouais, le tonnerre, Raichu qui est forcément plus rapide. Raichu qui est un Pokémon des plus rapides hein, dans ce tournoi, quand même. Allez, Alakazam, qui est un très bon Pokémon, ça peut tout changer, même face à deux foules. Même face à deux foules, si c'est bien joué, ça peut le faire. Mais il y a quand même Raichu en face, et Raichu est un excellent Pokémon. Raichu qui creuse un trou, les attaques sol, qui sont efficaces normales face au type psy. Allez, attention, Gab, maintenant tu peux le faire. C'est pas mal joué. C'est pas mal joué de la part de Gab, de faire une attaque prescience. Ça peut retomber sur Gamma plus tard. Attention, la Fatale Foudre qui laisse un PV à Alakazam. Un seul PV et Dracofeu qui va être envoyé du coup. Et malheureusement, il ne prendra pas l'attaque prescience, Dracofeu. Il ne prendra pas l'attaque prescience, sauf s'il rate son attaque ou qu'il y a un coup critique. C'est fini. C'est fini, la première manche est remportée par Gamma. 6-5 de justesse tout de même. Malheureusement, l'attaque prescience qui n'est pas envoyée après que le joueur ait perdu. C'est dommage quand même. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais pour le coup, Gab qui n'a pas démérité dans cette première manche, un mauvais départ malheureusement. Ça va être chaud pour Gamma quand même par la suite. Il y aura pas mal de difficultés. Ce groupe que l'on pensait eh bien fait d'avance est loin. Très loin d'être fait d'avance. À mon avis, il y aura beaucoup de mal à accéder aux demi-finales pour chacun d'entre eux. On va voir la deuxième manche maintenant dans ce combat de titans qui promet beaucoup pour la suite. Allez, donc on est parti pour la deuxième manche avec Florizarre contre Noctali pour commencer cette deuxième manche. On est point de vue toujours de Gamma. Florizarre donc de Gab qui a un petit avantage on va dire, sachant que le toxique de Noctali qui pourra pas marcher contre lui. À voir maintenant ce que Gab peut nous sortir. De mémoire il y a quand même 3 Florizarre dans ce tournoi et c'est pas des Pokémon très utilisés ça. C'est assez étonnant quand même. Le Giga Sensu qui va pas faire beaucoup contre le Roucarnage, attention tout de même. Non ça va. Ça va, Gamma qui aurait pu prendre beaucoup plus, mais le type vol de Roucarnage qui l'immunise un peu contre ses attaques plantes. Il va falloir quand même faire très attention. Gab qui retire Florizarre au profit d'Arcanin. Il a pas de type qui puisse être super efficace contre Roucarnage. À la limite son Aquali, mais pour l'instant Gab qui joue pas super bien son match. Va falloir mieux jouer que ça quand même. Hein. Va falloir mieux jouer que ça Gab si tu veux gagner. Pour l'instant, tout est à l'avantage de Gamma qui vient d'infliger quand même un tiers de la vie d'Arcanin. Pour le Arcanin de Gab, déflagration sur le Roucarnage, ça peut le mettre KO quasiment malheureusement. Quasiment, ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait. Gab qui retire Arcanin au profit de Roucarnage. Les attaques vols sont efficaces normales hein, sur les types vols. Sauf en cas de coup critique quand même, la moitié de la vie de Roucarnage a été enlevée. La moitié de la vie de Roucarnage. Allez, vive attaque. Et oui, c'est fait. Et oui, c'est fait. Bien joué. 1-0 pour Gab. Cette fois-ci, c'est lui qui prend l'ascendant sur ce match. Malgré le fait qu'il ait déjà sorti quand même 3 Pokémon. Allez, Raichu face à Roucarnage, on sait qu'il y a l'avantage. Surtout que Roucarnage est à mid-life, il va falloir faire très attention. Hein. Très attention, Gab. Ne sacrifie pas inutilement Roucarnage. Change de Pokémon. Prends ton temps, tu as le temps, tu as pris l'avantage. Bon, Gamma, il va falloir se rattraper maintenant. Hein. Gamma, prends ton temps aussi, parce que là, il va y avoir beaucoup d'anticipation à faire. Et oui, c'est très logiquement que Gab retire Roucarnage. Il est quand même à mid-life, on va pas gâcher un Roucarnage comme ça. Surtout que Raichu est plus rapide, ça on le sait. Aïe, 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 tout de même, l'Alakazam est paralysé. Et là, c'est le drame quand même pour Gab. Là, c'est le drame. Alakazam qui est normalement plus rapide que le Raichu de Sacha, de Gab, de Gamma, pardon. J'y arrive plus, de Gamma. Il serait moins rapide avec la paralysie. Raichu qui creuse un trou. Raichu utilise tunnel. Ce
sur l'île de King, c'est super efficace à cause du type poison. Mais Raichu qui est empoisonné à cause du point poison. Le séisme qui marche parfaitement sur Raichu. 2-0 pour Gab pour l'instant avec tous ses Pokémon à mid-life, mais 2-0 quand même. Attention à la suite. Attention à la suite. Tortang face à Nidoking, espérant que le Nidoking soit plus rapide si Gab décide de le jouer. Je crains qu'il n'ait d'autre choix de toute façon. Et oui, non. Là c'est terminé pour Nidoking. C'est super efficace à cause de son type sol. Type sol poison quand même, il y a beaucoup trop de faiblesses. C'est un type beaucoup trop dur à jouer. Allez, Aquali face à Tortank. Lequel des deux prend l'avantage? Lequel des deux peut prendre l'avantage? Tortank qui revient face à Florizarre. Et oui, le laser glace très bien anticipé de la part de Gab. Très très bien anticipé, super efficace face au Florizarre qui est moins rapide. Attention maintenant, attention Gamma à ce que tu vas faire. Et non, le sacrifice de Florizarre totalement inutile. C'était inutile de faire ça. 3 à 1 en faveur de Gab, et ça commence à se corser véritablement pour Gamma. Là c'est beaucoup trop dur, ça va être beaucoup trop dur de revenir même s'il a encore 3 Pokémon full. Et ça peut quand même jouer à la fin. Mais attention à ce que tu vas faire Gab, parce que rien n'est joué. Rien n'est joué. Noctalie face à Aquali. Aquali qui est plus rapide que Noctalie. La morsure stabée pour Noctalie, mais qui fait pas beaucoup. C'est une attaque assez faible hein, quand même, la morsure. Aquali qui utilise Hydrocanon. Ouh, ça fait pas énormément, ça fait moins qu'on l'aurait pensé, c'est pas stabé. Aquali qui prend du poison. Attention quand même, deux évolutions l'une face à l'autre. Noctalie qui utilise morsure qui a largement le désavantage maintenant, sauf si le poison vient changer la donne. Aïe aïe aïe, malheureusement Gamma qui a mal utilisé son avantage d'avoir que des Pokémon full. Là c'est fini pour Gamma, ça va être trop dur de revenir à moins que le poison fasse effet. Tant coup Dracaufeu face à Aquali, qui sera le plus rapide? Espérons que ce soit Dracaufeu parce que là sinon... Oui c'est bon, mais malheureusement l'Aquali qui garde quelques PV. Attention, le Dracaufeu qui va prendre cher, et oui, malheureusement Aquali qui réussit à mettre KO Dracaufeu. 5-2 en faveur de Gab, 5-2, oulalalala, malheureusement Gamma qui a très mal joué en mettant un Dracaufeu face à un Aquali, sachant pertinemment que le poison allait prendre. Aïe 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 aïe, quelle erreur de la part de Gamma. Tortank qui rate son attaque, en plus de ça le VG attaque super efficace. Et oui, je dis oui, Gab qui gagne 6-2 cette deuxième manche. Il n'y a pas photo. Gamma qui aura beau avoir raté une attaque qui aurait pu tout changer quand même hein, si l'attaque glace était passée, et bien Florizarre aurait été KO et là pour la suite ça aurait pu commencer à être difficile. Le Colavérage aurait évidemment changé, mais là pour le coup Gamma qui a quand même très très mal joué. 6-2 hein, le score en témoigne, 6-2 en faveur de Gab, et Gab qui revient totalement dans le match et qui passe même devant au niveau des points, au niveau de la différence de points. On va donc voir hein, ce que ça peut donner sur la troisième manche, mais pour le coup Gab qui on l'espère va rester sur cette marge, où on espère de l'autre côté que Gamma va nous donner du spectacle et va bien continuer son statut de favori, parce que là pour le coup pour l'instant et bien son statut de favori qui est largement mis en danger. On est tout de suite parti pour vivre cette troisième manche dans laquelle, eh bien, on espère il y aura beaucoup de rebondissements. On est donc parti pour cette troisième manche qui commence avec exactement les mêmes Pokémon. Noctalie face à Florizarre, me semble-t-il. On avait commencé avec ça la manche précédente. En tout cas, Florizarre face à Noctalie, eh bien, c'est assez difficile à jouer, hein. Florizarre qui a l'avantage pour moi malgré tout, puisque Noctaline ne peut toujours pas utiliser son toxique. Ça il faut bien le retenir, Florizarre qui est de type plante
et Poison. Donc, eh bien, à voir comment Gab va gérer ce Florizarre, comment également Gamma va pouvoir gérer cette troisième manche, puisqu'il a le désavantage hein, pour l'instant. Dans ce match, il a largement le désavantage après cette deuxième manche expéditive 6-2. 6-2, c'est pour l'instant dans le tournoi la plus dure des manches qu'on ait vu, le plus dur score qu'on ait vu. On avait vu un 6-3 lors du premier match. Et là, eh bien, 6-2 dans une manche, on ne pensait pas voir ça très très vite. Alors verra-t-on à un moment un 6-0, ça pour le coup, on ne peut pas le dire. Mais VG attaque, attention sur un carnage. Et du coup, ça, c'est au désavantage de Florizarre, là, pour le coup, VG attaque, puisqu'il ne va pas pouvoir attaquer sur le deuxième tour, le Cruel. Oh, et oui, c'est bien tenu, quand même, hein. Florizarre qui a une bonne défense, très bonne défense de la part de Florizarre, qui reste tout de même à mid-life, malgré l'attaque super efficace. Faut changer maintenant, et oui, bien joué de la part de Gab, qui change son Florizarre pour Nidoking. Deuxième Cruel, et ça fait pas si mal que ça, ça va à un quart de la vie, entre un quart et un tiers de la vie enlevée pour Nidoking. Faire attention, le Mania qui rate malheureusement. Le Mania qui rate, et le vol sur le Nidoking, mais le point poison qui est quand même venu changer la donne pour le Roux Carnage, qui perd la moitié de sa vie restante. Roux Carnage qui agit avant 1-0 pour Gamma, 1-0, et ça va être quand même dur hein, pour le Roux Carnage de rester dans le match. Allez Gamma, tu peux encore le faire, tu peux encore tenir ton statut tout simplement. C'est la seule chose qu'on peut dire, son statut de favori. Voilà le Roux Carnage de Gamma Wesh qui fait une vive attaque pour terminer tranquillement le Roux Carnage de Gamma. Roux Carnage face à Roux Carnage quand même hein. L'avantage est évidemment celui qui a le plus de PV dans tous les cas. Le Dortang qui a laser glace, attention Gab, attention, joue bien. Le Roux Carnage qui s'envole, le Blizzard qui rate, et pourquoi fait-il Blizzard? Ça c'est vraiment bizarre, pourquoi fait-il Blizzard? Blizzard qui ne rate pas, pour le coup, 85% de réussite hein. 85% de précision, c'est assez élevé, mais ça rate assez souvent tout de même. Comme attaque, heureusement, parce qu'elle est beaucoup plus puissante que Laser Glass. Tortank qui revient vers son dresseur au profit de Noctalie. Et le Roux Carnage de Gamma Wesh qui s'envole. Est-ce que cela va infliger beaucoup de dégâts au Noctalie? On va vite le savoir. Noctalie qui arrive en dessous de midlife et c'est terminé pour le Roux Carnage. Allez, Arcana face à Noctalie, 2-1 en faveur de Gamma pour l'instant. 2-1 et le lance-flamme. Et oui, Arcana qui est plus rapide. Noctalie qui a une très bonne défense spéciale tout de même. Et qui résiste. Il n'est qu'à un quart de sa vie. Arcana qui perd peu à cause du poison. Une vitesse extrême terminerait Noctalie. Et non, quelques PV qui viennent faire la différence. Et qui viennent infliger toujours plus de dégâts à l'Arcana, même si pour Noctalie c'est déjà fini. Eh bien, il faut quand même garder le maximum de PV de partout. Avantage pour l'instant à Gamma qui doit tenir cet avantage s'il veut remporter le match. Tout se joue sur cette manche. Encore une fois, un match à trois manches. On espère qu'il y aura que des matchs à trois manches hein, pour le spectacle, bien sûr, pour le suspense. Le séisme sur Aqualie qui ne fait pas grand chose. Hein, c'est un Pokémon de type eau. Allez, maintenant. Gab qui prend l'avantage sur ce simple duel, en tout cas pour l'instant sur le match en entier, c'est Gamma qui a l'avantage. Raichu face à Aqualie, qu'est-ce que Gab a fait? Le surf qui peut infliger beaucoup de dégâts au Raichu. Oui, c'est très bien fait. Maintenant, pas de bêtises Gab, le Fatal Foudre qui rate, la malchance malheureusement de Gamma qui vient le crucifier dans ce match. 3-2 pour Gab. 3-2 et il ne reste que les starters, les 3 starters de Gamma pour tenter d'atteindre la victoire.
tenter d'obtenir cette victoire qui, pour l'instant, n'est pas encore faite hein, pour le favori de ce match. Gab qui est en train de créer la surprise avec le laser glace, qui risque de one-shot le Florizarre. C'est presque fait, Florizarre qui rayonne, mais oui. Mais malheureusement, Aqualic est plus rapide. C'est terminé pour Florizarre également, c'est bientôt fait. C'est bientôt fait. Gab qui va créer la surprise en remportant ce match pour l'instant. Pour l'instant, il y a 4 à 2 en faveur de Gab. Et le match qui est bientôt gagné. Le match qui est bientôt gagné pour Gab. Gab qui retire Aquali, qui envoie à la Kazam. Attention, Tortank qui baisse la tête pour un coup de crâne, qui augmente par ailleurs sa défense. L'onde de choc d'Alakazam, c'est super efficace. Et malheureusement, Tortank qui n'est toujours pas KO. Allez, allez Gamma, c'est pas encore perdu. C'est pas encore perdu, il te reste deux starters, les deux starters les plus puissants du jeu. Et non, Alakazam qui agit en premier. Alakazam qui agit en premier, c'est fini. C'est fini pour Gamma qui va perdre largement le match. Malgré tout, malgré un Dracaufeu encore en pleine forme, ça va être très très dur. Alakazam qui agit en premier, le Psycho qui arrive quasiment à mid-life pour le Dracaufeu qui rate sa déflagration. Aïe 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 aïe. Eh oui, Gab qui avait largement l'avantage, quelques petits coups de chance tout de même. Dracaufeu qui réussit tout de même à faire un KO, mais pour Arcanin qui va terminer par une vitesse extrême, ça va être très facile, voilà. Voilà, grosse victoire, 5-6, 6-2, 6-3 pour Gab. Ça a quand même été extrêmement difficile, hein, on va se le dire, pour Gamma, ce match, avec quelques petits coups de malchance, mais quand même, ça a été extrêmement bien joué pour Gab, qui eh bien, vient de contredire tout ce qu'on pouvait dire, comme il n'est pas le favori, il lui manque quelque chose pour tenter de gagner le tournoi. Pour l'instant, il est deuxième de ce groupe B et eh bien... Je pense qu'il peut largement envisager les demi-finales, voire même peut-être la finale avec ce qu'il vient de nous montrer. Un massacre. Un massacre ces deux derniers sets. 6-2, 6-3, Gamma qui n'a eu strictement aucune chance. Hein. On rappelle pour l'instant le nombre de points. Toujours Gab, eh bien, du coup, qui passe en tête de ce groupe avec les deux sets affolants qu'il a produits. Gab qui est en tête du groupe B, pour l'instant en tout cas, avec Ryan qui le suit. Levin est troisième. Et on termine enfin avec Gamma, qui se trouve en quatrième position, avec eh bien, à cause du collavérage, hein, tout simplement du collavérage, qui met Gamma au fond. Est-ce qu'il pourra se rattraper? Est-ce qu'il va rester à cette place? Eh bien, vous le saurez dans les prochains matchs. En tout cas, j'espère que ce match vous aura plu. Et puis, on se dit à bientôt pour la suite du Poké Tournoi. Allez, bye tout le monde!